Je pense que aujourd'hui, peut-être, ça va faire rire, mais c'est l'une des meilleures choses qui me soit arrivée, la perte de cet emploi. Lorsqu'on vit cette situation, effectivement, on n'apprécie pas sur le coup, mais ce n'est pas la fin du monde. C'est une nouvelle opportunité, soit de se relancer dans un différent secteur pour ceux qui veulent continuer dans le monde salarial et tout ça, ou alors de faire quelque chose qui nous passionne un peu, de faire quelque chose d'intéressant. Je vous ai dit que l'entrepreneuriat, j'ai toujours flirté d'une certaine façon avec l'entrepreneuriat, mais cette fois-ci, j'ai décidé de vivre pleinement cette aventure. Alors, à quel moment c'est un peu difficile parce que c'est pas la première entreprise que je crée, mais c'est la première où je m'implique un peu plus personnellement et tout. Donc, on va prendre cette partie-là. Donc, ça remonte en fin 2016 parce que à l'époque, j'avais un emploi comme tout le monde. Je sortais le matin et donc, après la perte de cet emploi, je suis enceinte. Donc, je peux plus postuler à d'autres emplois. Donc, je décide le temps d'accoucher, de m'intéresser à un projet qui était dormant un peu, mais qui était dormant parce que c'était venu d'une idée que j'ai eue quand j'ai eu mon premier enfant. Mais malheureusement, étant occupée à autre chose, je ne pouvais pas vraiment m'impliquer. Donc voilà, à ce moment-là, fin 2016, je me dis, mais pourquoi pas? Pourquoi pas essayer et s'impliquer davantage? Donc voilà, c'est vraiment dès 2016 que l'aventure commence. Et donc il y avait pas mal de choses à faire. Je pense que peut-être par la suite on le verra, parce que c'est pas mon profil de base que je fais aujourd'hui. Ça n'a rien à voir avec mon profil de base. Et donc voilà, j'essaye de comprendre ce milieu, j'essaye de comprendre où je vais, j'essaye de comprendre les codes, et petit à petit je crée en 2017 donc l'entreprise. Et j'essaye de commencer à réunir tout le savoir nécessaire pour pouvoir lancer effectivement le produit qui lui est mis sur le marché en 2018, fin 2018, novembre précisément. Alors, la composition de nos produits est toute simple, hein. Nous avons deux variétés, donc une à base de haricots et plantains, et une autre à base de haricots ignames. Donc vraiment, c'est tout ce qui rentre dans la composition de nos différents produits. Alors, notre cible, c'est les enfants dès l'âge de 6 mois. Dès l'âge de 6 mois, à partir de 6 mois, un enfant peut consommer notre produit jusqu'à l'âge de 2 ans et demi. Notre produit est très simple à préparer parce que c'est un instantané. Donc, c'est des farines alimentaires déjà cuites. Donc, il suffit juste d'ajouter de l'eau chaude, tiède ou de l'eau normale à la convenance de la maman. Elle mélange le produit avec de l'eau et avec le lait de son enfant, parce que les enfants continuent de prendre le lait dans cette tranche d'âge. Donc, et elle peut le donner soit à l'aide d'une cuillère dans un plat, ou alors au travers d'un biberon tout simplement. Notre produit, après ouverture de l'emballage, peut se consommer à température ambiante, mais une maman aussi qui veut peut bien mettre ça au frigo, à condition que lorsqu'elle a commencé à mettre le produit au frigo, qu'elle continue jusqu'à ce que le produit finisse, qu'elle ne le remette plus ailleurs, pour pouvoir éviter cette différence de température au niveau de la conservation. Non, du tout. Du tout, parce que moi j'ai fait la finance. J'ai fait de la finance. J'ai eu quand même un certain niveau dans ce domaine-là, donc j'ai eu un MBA en finance comptabilité. Après, j'ai fait un master en fiscalité et j'ai eu une expérience dans l'audit et dans la comptabilité. Donc, à la base, la production alimentaire n'avait rien à voir avec mon parcours académique. Raison pour laquelle je vous ai dit que entre la période de création de l'entreprise et la mise sur pied du produit sur le marché, il s'est passé quand même une année, une bonne période. Donc c'est là où j'ai appris. J'ai appris, j'ai pas fait des formations diplômantes, donc on va dire que j'ai un peu appris sur le tas. Et j'ai rencontré des personnes qui avaient fait le domaine et progressivement,
j'ai pu acquérir la connaissance nécessaire qui me permet aujourd'hui de créer non seulement ce type de produit et bien d'autres. Alors, réellement, je crée l'entreprise, comme je dis, en 2017. L'idée, déjà fin 2016, mais réellement en janvier. Donc, il fallait juste attendre de basculer sur la nouvelle année pour des raisons beaucoup plus fiscales. Hein. Donc, en janvier 2017, je crée l'entreprise et je m'essaie encore à d'autres petits business avec cette entreprise en attendant de pouvoir acquérir la connaissance nécessaire pour lancer Bitbitina. Mais réellement, le produit même en lui-même, j'ai appris, comme j'ai dit par ailleurs, en regardant les vidéos, en me rapprochant de ceux qui ont fait dans le domaine, en discutant avec eux. Ça m'a pris une année. Parce qu'il fallait comprendre vraiment les différents codes qu'il y avait, les différents processus créatifs et même décider sur quel produit alimentaire on allait commencer parce qu'il y en a pas mal. Donc il fallait voir aussi les apports nutritifs de ces produits-là avant de lancer sur le marché le produit que nous commercialisons aujourd'hui. Alors, non, ça n'a pas été facile et ce n'est pas facile jusqu'à présent. De par mon ancien profil de financier et comptable et tout ça, je continue aujourd'hui pour soutenir cette activité à faire des consultations. Donc, je suis obligée d'avoir un travail en indépendant ailleurs pour pouvoir financer l'activité aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, on est vraiment dans notre première année là. Et on n'a pas encore une certaine stabilité pour avoir généré des revenus. Donc, ça nécessite que moi, j'aille travailler ailleurs, peut-être plus de manière permanente. Voilà, de temps en temps, je suis sollicitée pour des consultations et autres. Et c'est comme ça que j'enlève un peu là-bas, j'essaye de mettre ici pour avancer. Mais ça, c'est la partie vraiment financière. Maintenant, dans la réalité, dans la pratique, ce n'est pas évident parce que, au-delà de toute chose, il fallait aussi acquérir une crédibilité dans un domaine qui n'est pas son domaine de base. Donc, il fallait apprendre. Apprendre au quotidien, se rapprocher de ceux qui ont de l'expérience, apprendre par exemple les processus de la qualité. Donc, apprendre des processus même de production, apprendre les valeurs nutritives de certains produits et tout. Et donc, ça prend du temps, ça demande de l'énergie, mais petit à petit, on sent quand même qu'on progresse. Et maintenant, après ça, il faut apprendre même au niveau du marketing, chose que je suis encore moi-même en phase d'apprentissage parce que le marché nous révèle chaque jour de nouvelles choses, voilà. Donc après on va passer sur le marketing qui a aussi ses côtes, donc on apprend, je suis aidée, j'ai la chance quand même d'avoir autour de moi des personnes qui ont la connaissance et qui acceptent de me former quand même ou bien de former mes équipes de manière quand même gracieuse de temps en temps et parfois même quand on me demande de payer, ce n'est pas des montants. Voilà, donc c'est un peu, j'ai beaucoup bénéficié de l'aide des autres aussi dans ce processus.